Toi, ok, ouais, va chercher des boîtes. Moi, je commence. Voilà. En fait, ce qu'il faut, et c'est ça qui est dur d'un arc, quand on n'a jamais fait de PVP, des trucs comme ça, ou moi, on a fait que du PVE, c'est d'être organisé. Et c'est très dur. Putain, je me suis coincé dans un truc. Je suis glitché, quoi. C'est pas possible. Il Ah, fallait c'est bon. être organisé. Ouais, le truc, c'est d'essayer d'être organisé. Et ça, c'est, bah, je pense, le truc le plus dur, hein. Et tant que t'es pas organisé, tu peux pas démarrer dans ce jeu. Donc voilà, il faut se faire un endroit où on est safe. Non mais vas-y, t'es sérieux le tyrannosaure là? Déjà en train de te faire tuer par un tireur? Ouais. Vas-y, barre-toi en fait. Attends, je crois qu'il vient sur nous là. Il faut le buter, hein. Pas possible, il va nous emmerder pendant 15 ans. Hein. On va se faire défoncer. Bah, au pire, on se casse, tu vois, on l'amène super loin, quoi. Mes flèches, elles touchent pas, quoi. Ah, c'est bon. Tu vas vite. Cours, cours, cours! Il est pas. Ah non, si, il est bien. Vas-y, le Rex, tu nous as saoulés. Gâcher une flèche. Oh Wesh! putain, Oh là, y a des. j'ai Moi, des j'ai eu un rollbacks. rollback de ouf! Ouais, moi aussi. J'ai un rollback, je suis dans la bouche du Rex. C'est bien ça. Il y Il est en a train un. de se faire attaquer par un smilodon. Ouais, ben voilà, qui se battent entre eux. J'avoue, j'ai l'impression qu'on lui fait pas grand-chose. Hein. Il doit être au level, hein. Vas-y, le smilodon, fais-le. Fais-toi-le. C'est bon, il a. Viens vers moi, espèce de gros poulet là. Vas-y, le T-Rex rend pas fou. Ça y est, il commence à être balafré un peu. Ça va, moi j'ai encore pas mal de flèches. Bah, Je vois pareil. plus là, il fait trop sombre. Comment ça, il fait sombre? Non mais c'est comme moi j'étais dans la lumière et lui il était en contre-jour en fait, Ah, je ok. voyais pas. Reviens là, espèce de gros poulet En là. fait, il me suit depuis tout à l'heure, pour ça. Ouais. Faut que ce soit moi qui suive là. Il m'a mis un coup là. Oh, il y a le smilodon qui m'attaque, vas-y. Oh, il est niveau 130 le truc. Bon, alors Rex est bientôt crevé. Hein. Ouais, bah moi je vais peut-être bientôt me faire crever par le smilo. Non, mais rends pas fou, s'il te plaît là. Vas-y, il m'a saoulé ce Rex. Le smilo aussi, il est en train de me saouler là. Mais je lag de ouf quoi. Vas-y, smilodon là, rends pas fou. T'es où? Bah, je suis pas très loin de la base. Ah, il est Elle est mort, plus. ça y est. Ça, c'est notre maison. Elle est petite, hein, mais c'est un début. Ouais, j'avoue que c'est un début. Il faut forcément un début, je vois. Et Ouais. il est enfin Une là, fin. notre début. Ça aurait été compliqué, mais il est enfin là. Ouais. Alors, toi, je sais que tu vas devoir déco. Mais il y a moyen que je bouge tout, tu vois. Que je déplace tout à un endroit plus safe, parce que là, Déplace. vraiment. 100% de demain on se reconnecte, on n'a plus rien. Tu Ouais, vois? bah faut mettre un code PIN à l'armoire en fait. Ouais, mais ils vont la On péter, parlera hein, comme demain. on a fait, tu sais. Ouais. Je pense que je vais juste continuer à jouer un peu, histoire de faire un Tera, pour Ouais. pouvoir commencer à faire une base cachée. Moi, je pense que je vais continuer à faire ça. Ok. Et bah, la prochaine fois que tu te reconnecteras, on sera dans une nouvelle base, je pense. Tu Ok. peux t'endormir tranquillement, pour l'instant, je veille. Et je veille au grain, je vois. Bon, je suis tout seul. Du coup il est parti. Du coup ce que je dois faire c'est farmer ces trucs-là pour récupérer de la kératine ou de la chitine. Histoire de pouvoir faire une selle pour MTERA et histoire de pouvoir aller s'installer ailleurs. Pour faire une vraie base. Parce que sinon vraiment... Si on reste sur la plage on va tous faire piller c'est sûr. Il faut aller ailleurs se cacher tranquillement. What? Il me veut quoi lui? Elkentro!
Je t'avais demandé. Ouais, tu connaissais là. Il est level combien là? Non mais il est trop fort lui. Vas-y, y'a toujours des problèmes dans ce jeu. Je crois que ça pourrait pareil. Hein. Ok, super. Bon, j'ai ma kératine, je pourrais faire une selle de Ptera. Maintenant il faut juste que je trouve un Ptera. Oh, y'a un parrain. Y'a un parrain, il me le faut. Il le faut à tout prix. Pour aider à farmer et tout, c'est trop important. Donc je vais le faire. Dis-moi qu'on a des Mejoberry. Yes, Mejoberry, flèche tranque. Allez. Voilà, le para ça va être super utile. Viens là. Il est level combien? 55, ça va. Vas-y, tais-toi. Voilà. Allez, ça dort. Tu bouffes ça. Allez, s'il te plaît, m'embêtez pas les joueurs, je vous en supplie. C'est trop la galère là. C'est lui, il est quand même level 20, c'est de la merde. Allez. Faut juste pas qu'il se fasse bouffer lui, et puis ça ira. Déjà, on pourra farmer un peu plus avec ça. Là, je vais prendre des fibres. Va falloir se faire une salle de para du coup. Hein. Voilà, maintenant qu'on y est. Voilà, maintenant qu'on y est, on va faire ça. Très bien. Merci bien. Ok. Allez, j'ai quelques fibres. C'est super. On est content. On va se faire une selle de para. Voilà. Et maintenant, bah avec ça, on peut aller farmer de ouf. Attends, je vais peut-être farmer la base. C'est vrai que là, il faut fermer. Hein. Là, on est en PVP. Il faut vraiment fermer. Et là, en fait, voilà, c'est... À partir de là, moi je pense que c'est à partir de maintenant où en fait c'est une croissance. Voilà. Genre là maintenant on a level up quoi. Là déjà dès qu'on a le premier dinosaure, ça nous fait clairement level up. Parce que bah, après pour farmer ça va plus vite. Regardez ça. Voilà, hein, c'est beaucoup mieux. Vraiment, il n'y a pas à. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un carnot. Non, c'est bon quoi. Bah, déjà. What? Il va tuer mon para, c'est sûr. C'est hors de question. Vas-y, dégage. Racaille. Bah, c'est vrai qu'il était que level 15. Hein. Ok. Alors là, il y a un Ptera. C'est quoi? C'est un Ptera joueur ou c'est pas un Ptera joueur? J'aimerais bien avoir un Ptera maintenant. Il fait quoi le Ptera? Viens là frérot. Bon, pareil là-bas il attend. Lui faut que j'attende qu'il atterrisse. Et on le... Il est pour nous. Hein. Peu importe son level, on s'en fout. On n'est pas là pour checker les plus gros levels visiblement en PVP. Vas-y par contre tu peux atterrir, ça m'arrange. Oh! T'envole pas. Ok, maintenant tu vas faire dodo. Allez, dors! Yes, merci. Tiens, mange ça. Et tame-toi. Il est où le T-Rex? Et il tue tout le monde le T-Rex, hein, c'est terrible. Hein. Il est sur moi là. Attaque le Bronto. Faut que je l'amène sur le Bronto. Vas-y, le Bronto, défonce-le s'il te plaît. T'es level combien? 95. Allez. Voilà, tu éclates hein. Et T-Rex il est level combien? 140. Mais what? Oh yes. Il est bon. Viens, on se casse. Suis-moi, c'est là. Viens gros. Il va nous attaquer le Rex. Non. Suis-moi le Ptera là. On descend par là. Pas grave. Yes, on a rien eu. Nickel. Allez, go. On se casse. Bon, t'arrêtes de me rentrer dedans, je te fume.
Viens, 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 viens. Cours. Vol. Viens, 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 je te dis. E. Il s'appelle E, le Ptera. Allez, tranquille, tout ça. On n'est pas fous. Bon, déjà, le premier objectif a été atteint. Avoir des dinos. Pouvoir se casser de la plage et rentrer à l'intérieur de l'île pour faire une base. Parce que là, vraiment, ça devenait critique de chez critique. On a fait un très mauvais départ. Allez, gros, on s'arrache. Bon, t'es nul, hein. Bon, ça y est, premier objectif, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir essayer d'aller là-bas. C'est là où vous voulez aller jouer à gaming. J'espère que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Je vais aller là et je vais essayer de créer les débuts d'une base. Une base qui sera notre dernière base. Notre seule et unique base d'ailleurs. Espérant que ça porte pas en cacahuète, hein, ce qui est complètement possible. Hein. On est dans Ark. Mais il y a un mec juste là, là. Il y a un mec juste là. On est en PVP quand même, non? Vas-y, meurs! Voilà! Oh, il a une épée, vas-y, je prends l'épée, ça c'est bien ça. Donne-moi ton épée. Une arbalète, c'est bien. Des flèches. Du métal. Ouais, je l'ai tué pour pas grand chose, mais bon. Quand on est en galère comme ça, on tue pour pas grand chose. Hein.